Parce qu'on ne peut pas porter l'argent là. Alléluia. Et parfois, tu touches les personnes.
s'en sort. Alléluia. Oui. Quand elle m'a dit, j'ai dit que ma fille, tu es tombée sur les bras de Freeman. Elle dit comment? Voici des preuves. Alléluia. Amen. Oui. Parce que vous croyez souvent que votre doctorat, parce que le doctorat. Amen. Amen. Mais je lui ai dit que moi, j'ai le doctorat de l'esprit. Amen. D'un docteur, mais je suis en train de te dire que tu es tombé sur les mains de Freeman. On dit que les Freeman se rendent en Afrique, non? Il y a le grand frère là-bas. Passez-le au Canada. Alléluia. Amen. Il y a le grand frère, ce qui est propre. C'est ça. La vraie science. Amen. Ce n'est pas la science que vous dites ici. C'est ça. Vous comprenez, non? Amen. Tu fais l'erreur. Tu tombes, tu ne te relèves plus. Ça. Donc, quand elle m'a raconté, j'ai dit que ma fille, tu es tombée. Parce que moi, là, l'esprit de Dieu qui a moi m'a déjà montré. Elle dit, comment on va faire? Elle dit que pose-toi d'abord comme ça. Elle se pose. Je dis, après tu te poses comme ça, elle se pose. Après tu te poses comme ça, ils sont tombés. Elle dit, maman Liane, tu es très forte. J'ai dit que je ne suis pas très forte, c'est Dieu qui est fort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voit loin, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Amen. Et quand tu es en face d'un serviteur de Dieu, que Dieu veut lui révéler ton problème, il revient. Amen. Et c'est par là que, et on a beaucoup d'autres histoires. Alléluia. Amen. Donc, elle reconnaît. Elle a fait beaucoup de choses. Je ne peux pas dire. Mais pour ceci, je dirais dire. Parce qu'on va mettre ça ici. Amen. Il faut que je dise. Amen. Amen. Donc, moi, je ne la compte pas. Ces mouvements sont nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jacques 1:27. Jacques 1:27. Dans chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Relis. La religion pure et sans tâche voilà. Devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà. Jean dit ici que les gens qui se disent religieux, mais qui ne se soucient pas de la mise en pratique de leur croyance, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en acte. Vous voyez, non? J'explique ce que Jean est en train de dire, non? Une bonne doctrine est faite. La religion pure s'éprouve par des actes visibles. Vous voyez, parfois, il dit souvent, parfois, non, quand Jésus m'a regardé. Il dit que la religion pure et sans tâche consiste à faire quoi? À visiter. On est déjà dans la mise en pratique. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Vous comprenez, non? Et tu ne la mets pas en pratique. L'église, c'est un royaume. C'est un pays aussi. Nous représentons Dieu. Alléluia. Parfois, demande, est-ce que vous avez l'orphelinat? L'orphelinat, oui. Peut-être dans, là-bas dehors, on peut faire l'orphelinat. Mais nous avons tout. Parce que Dieu, il nous a déjà prescrit ça. Et la meilleure façon de faire, c'est dans l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que quoi? Le relis le verset, c'est très important. La religion pure et sans tâche. Pure et sans tâche. Devant Dieu notre Père. Il dit devant quoi? Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Hein? Amen. Tu peux faire des dons, hein? Mais parfois ce n'est pas devant Dieu. Voilà. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et à se préserver les souillures du monde. Voilà. C'est là ce que je dis. Mais la religion pure n'est pas une organisation gouvernementale ou une ONG qui fait des œuvres sociales. Non. Elle pose des actes concrets, la religion pure, comme produit de la foi en Dieu. Et elle se caractérise par la conduite saine de ses membres. Bref, la parole de Dieu produit en nous des actes qui prouvent notre attachement à Dieu. Donc, ce que nous faisons, c'est le fruit de notre foi. Amen. Nous ne faisons pas les dons pour faire un tel orphelinat. Non, nous ne sommes pas un truc gouvernemental. Non. Nous, il est à se préserver des souillures du monde. Donc, les dons que nous faisons, parce que Nathalie, c'est une servante du Seigneur. Les dons que nous faisons, nous, à la communauté, en tant qu'église, ce n'est pas l'ONG. Vous comprenez, non? C'est le produit de la parole prêchée. Vous voyez, non? C'est le résultat.
les versets, non? Il faut faire ceci. Il faut faire cela. La religion pure, tu vis ce qui sont ceci. Tu vis ce qui sont comment? Tu considères les hommes de Dieu. Tu considères le peuple que Dieu t'a donné. C'est le fruit. Amen. Et tu vis dans la sanctification. Amen. Parce qu'on peut faire les dons. Et on ne vit pas. Tu peux faire un don ici, tu détruis le don là-bas. Pourquoi le Seigneur nous prescrit la sanctification? Parce que quand nous allons faire le bien, nous allons veiller à ce que ce bien-là prospère. Amen. Vous avez vu, non? Quand les petits-enfants qui sont là, quand on dit 100% à l'examen, ce n'est pas que tout. On fait des répétitions, on fait des choses, on les encadre, on les donne la parole, on les reprend. Alléluia! Pour qu'ils reviennent sur le droit. Donc le bien que nous faisons doit produire quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous ne faisons pas le bien pour faire. Tu vas dans le final, tu mets l'argent, puis tu le donnes, et puis on fait n'importe quoi. Ce n'est pas ça. C'est ça que Jean est en train de dire. C'est pour ça que ce verset relié à cause est très important. Jean dit ça. Tu peux écouter la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique. Parce que tu es devant Dieu, relis. C'est devant Dieu. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins. Oui, il a donné par exemple un exemple. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Oui. Et à se préserver les souillures du monde. Voilà. La religion pure pose des actes concrets comme produit de la foi en Dieu. Si ce n'est pas motivé par Dieu, parce que tu as entendu la parole de Dieu et tu as accepté que Dieu te transforme, ça risque de ne pas avoir d'effet. Si tu donnes pour te faire voir, ou tu donnes parce que tu as vu les autres donner, il faut être touché, il faut être transformé et il se préserver des souillures de ce monde. Vous avez vu, non? Donc, ce que nous faisons ici, c'est le produit de notre conversion. Nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas une orphelinat, mais nous avons les orphelins, nous avons les pauvres, nous avons les indigents, nous avons les veuves, et nous écoutons la parole de Dieu, et nous la mettons en pratique. Qui est-ce qui est là? Donc, nous allons donc prendre. Maintenant, la pratique, la manifestation de notre foi, alléluia, amen. Elle est ici, de notre croyance, tout ce qu'on a fait depuis, hein, on peut partir dans la même chose. Ouais, non. Amen. Nous croyons que Dieu est vivant. Amen. Nous croyons que Dieu nous a demandé d'aimer les pauvres. Amen. Nous croyons que Dieu nous a demandé de bénir les serviteurs de Dieu. Amen. Nous croyons, c'est pour ça que quand nous faisons ça, on ne prêche plus. On ne peut pas, c'est la plus grande prédication. Amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons que le Seigneur va nous rémunérer. Amen. La religion pure et sans tâche. Parce qu'il y a des religions qui sont entachées. Les choses que vous connaissez là, qu'on n'a pas envie de citer parce que nous sommes dans la joie. Amen. Vous comprenez, on ne cite pas ça. Des religions entachées de sang. Hein? Voilà. On a donc dit, pour les orphelins, orphelins proprement dit, on a appris 5 qui sont là actuellement. Alléluia. Ils ont perdu le père, la mère, les deux parents ou un parent. D'autres ont même perdu le père, la mère, les grands-parents, comme je vous avais dit. Et après, on a pris maintenant ce que nous voyons que nous pouvons aider. Parce que c'est la rentrée, non? On ne peut pas laisser les parents. Parce qu'il y a même d'autres enfants qui demandent que je ne suis pas parti à l'école. Hé, à la communauté publique, je ne suis pas à l'école. Non, votre père a dit qu'il ne donne que 5 000. Vous savez que c'est le Pythagore, non? C'est ça. Il y a les autres Pythagore. Mais c'est eux qu'on citait ici. C'est vraiment quand même. Hein, quand même, viens parler, viens quand même. Mise à mon autre vision, les autres Pythagore et Raphaël, les autres Pythagore, les Sylvie, les patriciennes. Alléluia! Quand tu me rappelles à l'université, là, quand Paul Elie avait une nouvelle là, qui était un genre là, de mathématiques, hey, le petit Pythagore du grand Pythagore, hey, le pasteur Sylvie s'est levé, elle a fait la répétition de mathématiques à Paul Elie, il a validé avec 19.
pied. Ça veut dire qu'il jouait ça comme ça là. Il n'avait que les 20 et les 19. Alléluia. Parce que le petit Pythagore, du grand Pythagore, était passé là-bas. Que je dise parce que Nathalie, je n'ai pas dit que c'était l'envoyer, n'est-ce pas? Vous savez, dans l'ambiance, elle a envoyé 1835 dollars. Les 1835 dollars, vous avez rendu ici. Moi, les transactions, je ne les compte pas. 800 000 que j'ai, nous avons fait dans le Nous avons utilisé 460 000. Alléluia. Alors, chaque chose vient en forme de caisse. Parce qu'on va penser de donner l'argent comme ça. Ils viennent chaque jour. Parce qu'on les gère. Vous savez qu'on les gère au quotidien. Alléluia. Et menisons les choses. Vous voyez là. Surtout l'autre. Parce qu'il a tous les dossiers. Quand tu donnes l'argent, quand il a fait 2 semaines, il va revenir. N'est-ce pas? Jonas a fait un voyage. Donc les gens demandent souvent que quand on donne l'argent aux enfants, ils font quoi? Je vous dis quelque chose, regarde là-bas. Je vous dis quelque chose. Un orphelin est mature avant le temps. On sait combien on lui donne et on sait combien on peut aller nous-mêmes faire. Alléluia. 50 000 pour Astrid, ce n'est rien, elle va te gérer, ça va te rendre compte. Alléluia. Donc 20 000 des petits là qu'on a donné, leurs parents sont là. Ou leurs tuteurs qui les ont amenés, ils sont là. Mais on leur donne quand même pour que ce soit visible qu'on a utilisé l'argent. Alléluia. Donc ça, c'est pour les cahiers. Il y a l'université, il y a des problèmes de la pension, beaucoup d'autres choses. Donc on va commencer à utiliser l'argent n'importe comment. Et puis on va voir, nous aussi, qu'est-ce qu'on va ajouter, puisque c'est ça que nous faisons déjà. Amen. Donc elle a 50 000. Bah, comme Jonas, je vous l'ai dit, c'est le gentleman. Jonas, le gentleman. Applaudissez le gentleman. Il ne laisse pas aller les affaires d'argent. Il ne nous laisse pas. Il faut que Dieu donne encore beaucoup de gens. Alléluia. Jean Prince. Le Seigneur. Le Père. Hein? C'est 50 000. Aya encore, Michael. Sorti du cas des orphelins. Maintenant, le cas des dossiers traités à la communauté pour Christ. Coucou Tina, 20 000. Moutomé Asien Aïcha. Rim Asien Tibril. Madeleine. Voilà, c'est les
gens de Dieu. Marc-Emmanuel. Ngokanga Lydie François. Et pour ces merveilles. Et pour ces pouvoirs. Elle n'est pas appelée. Elle n'est pas ton nom. Et non, Isabelle. Et non, Isabelle. Applaudissez pour les noms. Celui-ci a voyagé avec son père. Le fils de Pierrot. Dis maintenant qu'elles sont malades. Donc les deux sont quand même malades au même moment. Ok, bien alors. C'est dans la maison de Dieu, non? Quand ça arrive seulement à la maison. Tiens-toi là. Amen. Donc ça a été clair, non? Ça, c'est pour Nathalie. Alléluia. Donc nous avons utilisé dans son argent 460 000 francs. La place encore au pasteur. Alléluia. En une semaine, les dons que nous avons reçus, c'est l'air à 900 quelque chose. Oui, 1 million. Les gens ne donnent pas simplement parce que les vidéos sont belles, parce que les gens dansent bien. Mais les gens donnent parce que ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient leur montre qu'il y a la joie ici de servir le Seigneur. Ils montrent qu'il y a une générosité à servir le Seigneur. Et ils voient à travers la façon dont les choses sont dites et faites que ce n'est pas une église où tout sera concentré sur la révérende docteur et sur le pasteur. Ce n'est pas. Peut-être pour vous, vous ne voyez pas la portée de cela. Mais être dans une assemblée où en une semaine, on peut sortir plus de 900 000 francs de dons. Mais en plus, on a réfléchi. On aurait pu dire que. Ok, on distribue tout cet argent. Mais on sait où. Il y a sur la durée des problèmes qui devront être résolus. Et que si Dieu nous envoie des aides pour que désormais ces problèmes ne soient pas résolus directement par nos poches, nous les éditeurs, de Dieu ou vous les enfants de Dieu, nous devons aussi en tenir compte. Parce que aujourd'hui prépare demain. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais donc prier d'abord pour ceux qui ont reçu ces enfants. Seigneur, bénis tes enfants qui ont été tombés par ces enveloppes. Fais que cet argent soit utilisé à bon escient en ces temps de rentrée scolaire. Et donne-leur de se réjouir en affirmant encore leur foi à travers ce don. Je te prie particulièrement pour ton fils
Jonas. J'enlève sur cet enfant l'esprit de distraction d'argent. Je détruis l'esprit de poche trouée. Je détruis aussi la cupidité et l'avidité dans son esprit. Afin que Seigneur puisse sache se réjouir de ce qu'il a. Amen. Et puisse sache faire bon usage de ce qu'il a. Amen. Je détourne ses regards de toutes les convoitises du monde. Amen. Et je le ramène dans la maison de Dieu. Amen. Pour qu'il soit un serviteur plein d'humilité et de modestie au nom de Dieu. Amen. Que ta bénédiction et ton onction descendent sur chacun de ses enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as, depuis déjà des temps, scellé une relation entre ta fille Nathalie et le révérend docteur. Je te loue et je te bénis parce que cette relation a traversé les années. Je te loue et je te bénis parce que les témoignages de cette relation sont nombreux. Je te loue et je te bénis parce que ta fille Nathalie a toujours su être présente pour montrer son amour à sa mère. Amen. Bénis-la pour tous les dons qu'elle a fait jusqu'aujourd'hui et pas seulement pour celui qu'elle a fait ce jour. Amen. Bénis-la, Seigneur, et transforme tous ces dons en toute réussite, Amen, succès dans ses entreprises, son travail et sa vie. Amen. Que cet don soit le plus pur gage de la défaite du diable dans sa vie. Amen. Et qu'elle soit désormais celle qui a ses ennemis pour marche-pied et qui les écrase comme on écrasera la tête du serpent chaque fois qu'il se révélerait contre elle. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, envoie ta lumière et ton Esprit Saint dans sa vie pour qu'elle soit guidée pour aller vers des choses grandioses. Amen. Et qui feront grand bruit lorsqu'elle en fera témoignage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.